l'avenir. D'ores et déjà, la multiplicité des styles se fait jour et plusieurs aspects du quartier rénové apparaissent à la fois. Contrastant avec le sérieux d'un centre d'affaires, boutiques et jardins suspendus créeront une ambiance de détente et un but de promenade. Là, il y avait une petite musique. Et ensuite, ici, l'architecture devient une sorte d'oratoire de la puissance au moyen des formes et au service de l'humain. Alors, bon, il ne faut pas vous apprendre non plus que l'architecte en chef de ce grand chantier est Arèche, un grand architecte rennais, qui a fait 30 ans de millet. C'est particulièrement remarquable dans les immeubles que vous voyez ici, avec une vraie volonté de créer des formes marquantes, signifiantes des années 70, notamment les balcons. Donc là, on a des formes volontairement esthétiques. Nous, ce qu'on voudrait vous montrer, c'est cet ensemble site, là, c'est-à-dire ce local, on va dire ce bâtiment au fond, noir, qui est un local technique, ainsi que l'enceinte, ici, rouge, qui fait le tour, qui protège peut-être ce sol de verre, qui est entouré même d'une membrane bitumeuse en aluminium. Alors, ce qui m'intéressait là-dedans, c'est que finalement, si on compare ce volume là-bas noir et cette enceinte rouge, on a deux formes possibles. Une introvertie, aveugle, avec de grosses nervures, un peu obscure, un peu en se demandant à quoi ça sert. Par contre, l'enceinte protège la. D'entrer ou de sortir les oiseaux, on pourrait appeler, si vous voulez, la verrière dans la volière. On ne s'arrêtera pas, on passera devant, ensuite on redescendra l'escalier, on traversera le centre. Et on traversera le centre et on passera... Ah oui, on passera sous cette verrière-là. Mais on ne s'arrêtera pas, on continue.